Nous sommes au domaine de l'Espiguette, au Gros du Roi, à Liévé, dans le Gard, où sont conservés l'ensemble des clones agréés en Tavinera. Ces clones sont conservés sur des sables qui apportent les meilleures garanties sanitaires. Je vais vous présenter une série de clones de Chardonnay en mettant l'accent sur leurs spécificités et également leurs différences. Nous sommes ici devant le clone de Chardonnay 1066, un clone sélectionné en Côte d'Or, très très faible producteur, avec des grappes très petites, des baies petites et des baies mi-rendées. C'est ce que les Bourguignons appellent un clone mi-rend. De par cette très faible production, ce clone est absolument conçu en assemblage avec d'autres clones. Il donne des veines structurées et aptes au vieillissement. Ce clone est tellement particulier avec sa très faible production qu'il est très difficile de le comparer à d'autres clones de Chardonnay.